Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Overwatch. Nous sommes en compétitif, nous sommes en solo queue et nous avons des gens qui parlent bizarrement dans le chat. Je vais espérer que ça ne soit pas rébarbatif. Je sais pas si ça se dit rébarbatif dans cette phrase. Ce n'est pas grave, nous allons jouer un tank, nous allons jouer... Oui! Nous allons jouer Reinhardt. J'aurais peut-être pas dû répondre. Et nous allons tanker pour l'équipe. Pour l'amour du tanking. En espérant que le nom russe... Défensif ou agressif? Bah vu qu'on est en défense, on va jouer défensif. Lol. Attends, un tourbillon? On a un seul healer et un tourbillon. Qu'est-ce qu'on fait? Les attaquants arrivent dans 30 secondes. T'as vu que ça empire, on fait ce qu'on peut. On est mort. Il a peut-être raison. Il a de l'expérience, le gamin. Pourquoi ils choisissent Bastion et tourbillon? Je suis votre bouclier. Toi et moi, on va faire de grandes choses. Je surveille à droite puisque on sait jamais si y a un Diva ou un Tracer. Dac. Putain, il a l'air intelligent le gamin, c'est rare d'en voir un intelligent sur Overwatch. Ah non, me booste pas. Mais déjà, t'es où? T'es où Bastion? Si, ils sont là. Deux personnes derrière. Tu gères ou pas? Bah non, je suis mort. Ils étaient deux, un faucheur et une traceur. Je n'abandonnerai jamais. Je vais faire ce que je peux. Ça part mal. Ouais, on est mort, ça sert à rien. Éjectez ces clowns de ma position. Hop. Je vais choisir Orissa pour le bastion. Non, passe pas. Blah, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est quand même dommage que le bastion ne soit pas en place au départ de la game, quoi. Enfin bon. C'est un peu tard, hein. Ça va. Traceur, die! Merde! Chaque fois je me fais avoir. Chaque fois je me fais avoir bêtement. Je devrais pas engage ici. Je le sais, hein, je le sais, en plus c'est dans ma tête. Hein. Mais alors. Je fais ce que je peux. Ouais, t'inquiète. Quand même, Orissa défense, c'est sur cheat. Oh putain! T'as vu le truc? Bah pas vraiment, je suis en train de taper. Ah ouais, toi t'es bourrin toi. Bah vu que on a un dégât statique qui bouge pas du tout, je préfère taper, oui effectivement.
J'ai fait 6 kills. Ah, ça m'étonne, parce que si t'en as fait 6, on aurait eu toute l'équipe en face. Bah oui, on les a tous eus. Non, il n'y avait pas équipe éliminée. Je suis mort. Non. T'es pas mouru là, on est bien, on est bien. C'est bien la compo Bastion avec Orisa. La Pharah. Je tank peut-être pas assez, mais enfin bon, je sais pas. C'est juste là, je trouve que depuis qu'il y a Orisa, le Reinhardt est là juste pour la. Go. Merde. Hop, c'est fait. Où est la Pharah? Ah non, elle est morte. On est plutôt bien. C'est un honneur. J'essaie de voir les balles du bastion, mais je les vois pas. Merde. Ah, il. Place au déluge de la justice. Vite. Je ne pouvais rien faire, il y avait trop de monde. J'arrive. Allez. Putain. J'ai un PV. Mais ça sert à rien de nous dire t'as un PV. Pauvre merci, elle peut rien faire. Non, je suis derrière le truc. Je suis mort. Elle était derrière le truc. J'aimerais bien que Kawapa il ait son truc. Mais bon là. Ouh, je sais c'est du russe, ça sert à rien de le demander comme ça. Et sur le point, sur le point. Enfin bon, on a perdu le premier point à cause d'un abruti, enfin de plusieurs abrutis. C'est pas grave, faut pas tilter. Moi perso, je tanque pas. Le problème, c'est qu'on est avec des gens qui veulent absolument pas jouer comme il faut. Zéro compé, ouais. Compo, tout ça. Parce que là, je pense pas que Kawapa il va heal vu qu'il a il est tout à l'heure. Enfin, je dis Kawapa, mais voilà, tu vois. Oh putain.
J'ai pas le choix, je dois jouer heal ou pas? Je protégerai les innocents. Souvenez-vous de votre entraînement et tout ira bien. C'était bien la première partie. Non, non, c'était moisi. C'était moisi, la compo était moisi. Il y avait la moitié des gens qui étaient pas prêts au début du point. Premier point. Mais on a fait une bonne, un bon compo, toi et moi. Genre, Reinhardt et Orisa. Moi j'ai juste beaucoup tapé en fait. Ouais, et moi je les ai réunis et j'ai boosté nos attaques. Dans l'ensemble, ça va. Mais là, bon. Bah, au début de la partie, quand ils étaient, quand on était encore à placer, il y avait Bastion qui courait encore, quoi. Ouais, te dire. Il sait pas jouer le Bastion. Bah, je pense qu'il avait les DPS, mais qu'il avait pas le placement, quoi. Putain, dès le début. Attention, il y a une Symmetra, ok. Ouais, mais elle a pas placé ses trucs comme il faut, donc lui, je lui parle pas, je sais. Bonjour. Salutations. Objectif en cours de capture. Reculez. Je ne laisserai pas. Putain, mais okay. Tu touches ou pas? Ok. Ok. Dans l'œil du faucet. Et bien joué, bien joué. Lancez l'attaque sur l'objectif B. En fait, Orisa, c'est plus défensif, alors vous changez de perso. Rien touché à cause du machin au milieu. T'as pas l'air con là. Hein. Bah oui, mais. Où ils sont tous? J'y retourne de plus belle. Ouais. On a un super Genji. Pourtant, je trouvais plutôt bon. Hein. Est-ce que tu veux bien venir me heal? Voilà, j'ai pas là, eu de soin du tout. On a perdu. Je ne ferai plus la même erreur. Winston au rapport. Tu t'en sors avec Pharah? Bah ouais, mais je suis pas heal, donc bah écoute. Ah ça y est. Vas-y, 4 ulti.
On est dans la maison. C'est pas grave. Ils ont claqué 4 ulti là-dessus. Bien joué. Ah non, un seul. Enfin bon, c'est pas grave. Je retourne au front. J'aurais bien aimé avoir une pharmacie, mais apparemment elle veut pas, la hanche. Voilà. Faut se regrouper, faut se regrouper. T'es sérieuse là? Qu'est-ce que tu fous là toi? Putain. Ah bah voilà. Et on vient de perdre le heal. C'est génial. Wouah, tu es où moi? Ok. C'est quoi cette position de départ? Ma capacité ultime est quasiment prête. Compris. J'ai mon ulti, j'ai mon ulti. Je les distrais et toi tu vas derrière leur dos, ok? Ouais, mais j'ai pas de heal donc ça change rien, ça changera strictement rien. Je ne ferai plus la même erreur. Voilà, je calais mon ulti, maintenant je peux faire de la merde, puisqu'après tout, il n'y a rien derrière. C'est débile, mais c'est comme ça. Non, je vais même prendre un soldat, comme ça j'aurai mon propre heal, je vais pas me faire chier. Avec des trous du cul. Nous sommes tous des soldats. Et sinon, bah ouais, tant pis, bon, oui. On a perdu. Je me rends. Il lui a même pas tiré dessus. Vous pouvez me faire tomber. Je me relèverai toujours. Non, mais on a une compo qui est dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. Voilà, on a un chacal maintenant. Le mec, il a quoi avec son chacal? C'est cool. Alors on dit que les Français sont les pires, mais franchement, je pense que les Russes sont encore pires. Mais ça c'est pas nouveau, hein. Je le dis depuis quelques temps déjà. J'ai eu affaire à quelques Russes dans les compétitives. Bah, de toute façon on est en compétitif, je suis con. Ah oui, donc c'est doublement punitif. Putain, mais casse-toi, mec! Casse-toi, mais merde! Putain, elle fait que ça, la pute! Personne n'est fichu de la tuer. La mission n'est pas encore terminée. Voilà. Moi. Là, on a vraiment la team de noobs. Non, c'est même pas une team de noobs, c'est une team de mecs qui rage comme c'est pas possible et qui jouent même pas leur personnage comme il faut, c'est tout, c'est juste ça. Hein. Moi, j'aime pas jouer tank, mais bon, j'essaye au moins. Non, mais c'est pas grave. Action de la partie. On fait équipe? Non. Non, parce que ça changera strictement rien. On va tomber sur des gens qui seront pas fichus de gagner. C'est pas grave. Marcus, on fait équipe? J'ai jamais entendu la première fois, mais non. C'est la tristesse, chers amis, c'est la tristesse.
Il était mignon, mais bon. Le côté abandon, 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 c'était un peu stupide. Bon. C'est génial. C'est absolument génial. De toute façon, j'ai l'impression que dès que je tank ou que je heal, je tombe sur des noobs. Enfin, dès que j'ai envie de tank ou de healer, je tombe sur des noobs. Dès que l'équipe est pas trop mal et que je suis forcé de healer, ça se passe pas trop mal, mais je suis pas cover. Hard cover, hein. De toute façon, bon, c'est pas grave. Eh bah ben écoutez, chers amis, du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop!